70 avec la Prusse. Précédemment, au film précédent, John Mangle avait donc écrasé la révolte, la rébellion des Pays-Bas et est revenu à Amsterdam pour rétablir l'ordre public. Je vais refaire sa troupe. Peut-être ensuite attaquerons-nous Bruxelles avant de nous lancer dans l'attaque contre Hanovre et Danemark, qui sont les deux objectifs que je dois atteindre avant l'année 1750. Alors, ici aussi, il y a des régiments qui n'ont pas été. J'avais pas assez d'argent pour refaire cela, donc on le fait. On en profite là maintenant. C'est réparé ici. On va créer. Qu'est-ce qu'on va créer? C'est une ville riche, donc on va mettre de l'artisanat. Ne pas oublier Riga aussi, pendant que j'y pense. Riga qui a été conquise par Moravetz. Alors Moravetz, donc hop, deux tours, c'est suffisant pour que je lui recrute un navire de guerre, un sixième rang. Et Moravetz prendra le bateau pour venir plus rapidement sur l'ouest. L'ouest, oui, c'est ça. Là, on va laisser les trois régiments ici, vont surveiller, vont continuer à. Donc il y a des choses à réparer partout. Hein. Hop, et hop. Et puis, ah oui, et aussi, on doit réparer en Transylvanie la ferme et la mine, peut-être. C'est quoi? Là, c'est la ferme. Il n'y avait pas une mine aussi? Ouais, mais je. Ah oui, elle est dans le coin. Mais elle est proche d'une nouvelle armée d'invasion. D'accord. Et là, ici, donc, nous avions vaincu la grande armée ottomane grâce au fort Kluk. Ah, j'arriverai pas à le dire. Et arrive une autre armée. Le problème, c'est que cette armée-ci est complètement. C'est plus une armée. Donc, c'est pas la peine de lutter avec des trucs comme ça. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Hein. Là, il y a le premier régiment, donc on va mettre. Voilà. Voilà un régiment complet. Presque complet. Là, une cavalerie, c'en est plus une. Et là, non plus. Les deux là, bon. Le canon, non plus. Et lui. Voilà. C'est pas vraiment une armée. On va quand même lui donner un général. Donc, le colonel de ce régiment va devenir le général Moses Wertheimer. 44 ans, 3 étoiles. Ok. Et donc, ils vont se réfugier à Zagreb, parce que là, on comptera aussi sur des régiments. On pourra compter sur des soldats de la ville. Et on va même utiliser la milice. On n'a pas de temps à perdre. La milice de Presbourg. Et on va lever quelques troupes ici. On va recruter, je sais pas, de l'infanterie, hein, sur. Voilà, deux régiments d'infanterie, et même au diable l'avarice, un grenadier, non, on va mettre une cavalerie aussi, voilà. Il faut quand même, je pense, car nous avons vu également l'arrivée des marates. Ce ne sont pas nos ennemis, mais je suppose qu'ils viennent pas ici pour aller sur la côte d'Azur. Ils n'ont pas traversé toutes les Indes. Je sais même pas s'ils sont ennemis avec un pays d'Europe, peut-être que si, mais marates. Ils sont en guerre avec Venise. Ah, peut-être. Alors, viennent-ils attaquer Venise? L'Empire Ottoman aussi. Mais l'Empire Ottoman, ils l'attaquent. Bon, ils peuvent l'attaquer effectivement des deux côtés. Contre la Grande-Bretagne, bon, c'est pas en Méditerranée. Nation barbare, ouais. Et la Russie, ce serait vraiment un grand voyage, hein. Donc, bon, peut-être. Disons que c'est. Mais Venise n'a plus que la Morée, hein. Puisque la ville de Venise, c'est nous qui la tenons. Et nous avons. Ah, Tunis est tout. Ouais, c'est vrai, Tunis est tout anglais. Et nous n'avons toujours pas de navire de guerre.
Ah oui, c'est vrai que j'avais voulu faire un port. Bah, il est fini ou pas? Je m'en rappelle pas. Le port de Rotterdam est-il... Non, il n'est pas encore terminé. Et ici, donc dans un tour, on pourra enfin avoir la possibilité de nous de construire un navire de guerre. Voilà donc tout ce que je peux dire. Ici, l'espion va quand même s'approcher par ici. Voilà. Ah ouh, il y a un léger décalage hein, avec le jeu. J'espère que ça va pas me lâcher. Ah oui. Bon, il y a un problème de jeu avec le jeu là. Alors, eh bien voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout. On attend 8000 pièces d'or. Les impôts sont redevenus plus normaux. Les ministres, bon, bah, sont ne péjorent en rien, hein. Il n'y a pas de problème avec... Non. Ah, le nouveau libertin. Anton Meyer, 39 ans. Eh bien, lui, il va venir plutôt vers le Danemark, hein, par là, quoi. Voilà. Bon, eh ben, Moravetz, deux tours, track navire, hop, il vient. Comment il s'appelle? On va déjà utiliser la première armée, celle de Frankfurter, va se diriger vers le Hanovre, quand même. Vers Berlin, voilà. On quitte Stuttgart pour Berlin. Et à Stuttgart, on ne peut rien recruter. Très bien. Bon, bah voilà. On va passer donc à l'été 1741. L'été 1741. À chaque fois que j'appuie sur ce boost, le gong, je me dis toujours que j'ai oublié quelque chose à faire. Parce que c'est vraiment un jeu complet, il y a plein de choses à quoi il faut penser. Alors, donc, tiens, voilà les marates. Ah, je sais pas. Les Ottomans renforcent leurs troupes. Donc, ils n'ont pas attaqué Zagreb. Mais ce n'est que partie remise, j'imagine. Ah, ici, ils viennent en force en Transylvanie. Les Suédois, oui, les Suédois dans la Méditerranée. Et les Marats entrent aussi en Méditerranée. Alors là, il y a une flotte complète, avec une grande armée. Et l'autre, c'est moins complet. Ah, nous avons comme avancée intellectuelle le gouvernement par consentement. Je déroule pour que le philosophe John Locke. Ok. Ça y est, à Rotterdam, nous avons enfin un atelier de construction navale. Voilà. Stettin dans le Brandebourg, carrément une nouvelle ville dans le Brandebourg. Eh bien, on va y construire un atelier hein, d'artisanat. Et nous avons recruté à Venise, en Vénétie, pour contrer l'avancée des Ottomans. Alors, eh bien, justement. C'est des troupes qui sont à Venise vont aller à Zagreb et commencent à avoir une belle armée. Hein. Et puis nous allons pour 1703 pièces d'or réparer les régiments abîmés. Cette armée sera chargée donc de toute la côte de la mer Adriatique. De retenir les invasions contre les Ottomans, pendant que nos troupes se dirigent vers l'ouest,
Comment il s'appelle? Moravetz va au port. Ici, voilà. On met une troupe, la milice de Mitao va se mettre à Riga. Oh non, elle reste là, c'est pas la peine, on n'est pas encore attaqué. Je laisse sur place ces trois petits régiments. Le régiment de Tilsit de Mazuri et la cavalerie de Peter Niebuhr, que je refais pour 106 pièces d'or. C'est eux qui vont être chargés d'empêcher les petites troupes russes. Et comment il s'appelle? Alexander. Non, c'est maintenant c'est Ernst Fromm. Eh bien, lui, il est chargé plus particulièrement de la défense à l'est, sur le front de l'est. Maintenant, on va faire tous nos efforts contre le Hanovre avec toutes nos armées ici. Je finis les. Ah, j'ai pas reconstruit. Ah non. J'avais cru. Hop. Bon, je vais pas tout dépenser. On va faire juste l'Observatoire national, c'est bien parce que ça ramène de l'ordre public. Là, on laisse les armées se terminer. Ces cinq régiments, ces deux-là sont déjà terminés. Ok, l'armée de Straub, non de, attends, c'est quelle, ça c'était Straub, celle de Frankfurter va aussi, qu'est-ce qu'elle va faire? De toute façon, il va falloir, regardons les forces en présence, le Hanovre, il y a une armée en extérieur et une armée, enfin une autre petite troupe à Hambourg. Une armée dans la capitale Hanovre et une autre dans les bois ici. Bon. Donc, l'armée est complète hein, de Straub. Straub pourra être aidé par cette armée-là. Oui, directement, c'est bon. Donc, cette armée pourra attaquer, enfin, faire le siège. Cette armée s'attaquera à celle-ci. Devra la battre. Une fois qu'on aura vaincu Albert Ketterer, les deux armées prendront le Hanovre. Voilà. Je pense qu'on va faire comme ça. Et sinon, Bengel, dès que son armée est refaite, attaquera Bruxelles. Ou du moins, devra empêcher les Espagnols de nous attaquer dans le dos. Bon, moi je pense que c'est un bon plan. Ah, mais il y a Frankfurter aussi. Frankfurter. Oui, c'est ça, il va monter. Il va aider. Ah bah oui, bon, on va mettre deux armées, puis c'est bon. Ne cherchons pas des plans trop compliqués. On va les attaquer par les deux côtés. Attends. Un qui attaquera par l'est et l'autre par l'ouest. Voilà. J'espère que ça. Aïe! Bon, ici, on va être obligé d'enlever les impôts. On va recruter sur place. On va recruter deux régiments. Voilà. Ici aussi, d'ailleurs, à Munich, parce que moi, je pense qu'il faut quand même préparer une armée hein, pour lutter contre les marats ou je ne sais quoi qui va venir. Donc, on va se mettre un peu des troupes un peu partout. Là, on va mettre du canon. Voilà. Non, dans les canons, on va les faire à Pressbourg, parce que là, on peut faire des canons. Voilà, on peut faire des obusiers. On va faire un obusier et une artillerie à cheval. Voilà. Et puis, est-ce qu'on peut refaire quelque chose? On peut rien faire d'autre. Voilà. Eh ben, je crois qu'on est prêt. Dès que les armées sont prêtes, ça va être l'assaut. Deux tours, tac. Il prendra le bateau. Le pauvre Hanovre va être attaqué. Sans prévenir, alors je rappelle que le Hanovre est tout de même allié, c'est notre allié, mais c'est aussi l'allié du Danemark. Bien, nous sommes prêts. Voilà, la drôle de guerre commence. Et on va quand même approcher l'espion.
espion là vers Bruxelles, par là. Entre les deux même. Qu'on voit à la fois Bruxelles et Paris. Voilà. Parce qu'il faut pas non plus faire attention. Voilà. Alors. Et j'ai. Est-ce que j'ai. Ah voilà, j'ai fait tellement de dépenses que j'ai oublié. Bon alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire la. Voilà. Je vais tout de suite recruter un navire de guerre, un sixième rang. Et est-ce qu'on peut construire la suite ou pas? Est-ce qu'on a l'installation navale terrestre? Installation. Oui, on l'a. Donc on pourra, le tour d'après, améliorer encore pour avoir de meilleurs navires de guerre. Alors, regardons voir les recherches. Est-ce qu'il y a des recherches en cours plus importantes? Il faut faire des bâtiments maintenant. Si on veut faire progresser nos recherches. Là on est au top. Bon et bah ouais, c'est pas mal. Tout recherche quelque chose, donc c'est bien. Ok. Et bien maintenant on va passer à l'hiver 1741. Je n'oublie rien, j'ai l'impression toujours d'oublier quelque chose. Il y a des villes à construire aussi, je crois, hein. J'ai pas tout construit encore. Il y a eu des apparitions de villes, je crois ici par exemple, voilà, il y en a là aussi. Non, là il s'est fait. Ah oui, au fait, alors, est-ce que le protestantisme monte peu à peu? Très bien. D'ailleurs, on va regarder où c'est qu'il est, le prêtre. J'ai deux envoyés, ils sont à Vienne tous les deux. Alors est-ce que Vienne... Voilà, ça y est, Vienne est majoritairement protestante. Donc maintenant, on va les envoyer alors vers la Bavière, vers Munich. Ouais, donc les deux agents vont aller à Munich. Alors je... C'est lui, effectivement, il va aller à Munich... Voilà, et son co-religionnaire va en faire autant. Voilà, et maintenant, en Bavière, le protestantisme, qui n'a que 5%, devra devenir la religion majoritaire. Ici, notre armée est en train de se refaire, un nouveau général, Moses Wertheimer. Bon, je pense qu'on... On peut recevoir une attaque maintenant des Ottomans, j'espère. Et là, faisons attention. Parce que les Ottomans sont décidés encore à nous attaquer. Je peux recruter? Non, je ne peux pas recruter. Même pas un halbardier. Très bien. Eh ben, nous allons passer, donc, disais-je... À l'hiver, encore l'hiver, 1741. Ah, les Anglais ont été repoussés par la flotte marade, ça c'est incroyable. Je n'en reviens pas. Ils ont dû envoyer des énormes bateaux. Parce qu'en fait, la flotte anglaise est une flotte redoutable dans le jeu Empire. Ottomans, que décident-ils? Vont-ils attaquer Zagreb? Non. Ils continuent à piller en Transylvanie. Ah! Les Russes reviennent nous narguer près de Kiev. Voilà, ouais, ils vont attaquer. Non, on n'est pas en guerre avec eux. Ah bah si. Voilà. Donc ils nous déclarent la guerre. Bon, ben, je demande pas l'aide de mes alliés. Ils n'ont pas l'aide de l'heure, mais bon, ils nous attaquent par surprise. Deux grandes armées marathes qui ont pu venir comme ça, tranquillement. Eh ben. Ils vont prendre la Corse. J'ai rien, j'ai même pas un port de guerre non plus ici. Alors cette nation, nous avons la montre marine. Et nous rechercherons les fonds en cuivre.
Voilà. Donc l'Empire Marat nous déclare la guerre, on n'a plus d'argent, on est passé directement à... Il est temps de se dé... Il est temps de... Voilà, Alsace-Lorraine, mer Baltique, Hongrie. Ah bah alors, magistrat à Riga et à Utrecht, atelier d'artisanat. Et une nouvelle échelle de température par Celsius à l'Académie royale des sciences de Suède. Après Fahrenheit, Celsius. Alors voilà, donc bah oui, les Marathes viennent donc nous attaquer. Manquait plus que ça. Voilà, vraiment, c'est les joies de Empire avec des. Puis en plus, ils viennent avec des briques. T'sais. Je me demande si je pourrais, si je ne peux pas. Est-ce que j'ai un navire de guerre? Non, malheureusement, non. J'aurais eu un navire de guerre, j'aurais tenté une bataille navale. Mais là, c'est des petits avisos. C'est pas la peine. Ah, je tenterai bien. On verra. On verra. Donc, elle est. C'est dommage. Ici, non. Ça, c'est une grande flotte. C'est pas la peine de rêver. Encore que ce ne sont pas des navires. J'aurais un bon navire de guerre. J'aurais tenté. Mais voilà, j'ai jamais pensé à faire un port de guerre ici. C'est idiot. Ce sera bon à savoir dans d'autres. Alors, maintenant, justement, j'ai un port de guerre. Je vais pouvoir. Ah, bah, c'est dans un tour, c'est ça. Alors, là, ça change un peu quand même la donne, parce que arrivent de grosses armées marathes quand même. Ils sont capables de nous prendre tout rapidement. Avec l'aide des Ottomans, ils sont alliés ou pas? Les Ottomans et les Marathes, ils sont en guerre, je crois, hein, j'avais cru comprendre. Ouais, les Ottomans et les Marathes sont en guerre, donc encore, il y a ça qui pourra, je sais pas. Ah là là là. Bon, alors dépêchons-nous, on va attaquer le Hanovre déjà, et après on verra. Alors le Hanovre, eh bien donc. Nous sommes en 1741 et ça va être le sujet du prochain film. Ça va être l'attaque du Hanovre. Donc nous allons leur déclarer la guerre. Proprement, on annule d'abord l'accord commercial. On annule l'alliance. Il n'y a plus de traité en vigueur, ils sont hostiles et on leur déclare la guerre. Donc là, on n'a plus d'alliés. Et le Danemark et leurs alliés, leur allié, le Danemark rentre en guerre contre nous. Et nous déclarons donc la guerre à Georges III du Hanovre, Frédéric II contre Georges III. Et. La guerre est déclarée. Alors, nous allons envoyer une armée faire le siège de. Attends, passer par là. Ouais, elle va faire le siège. Voilà. Et l'autre armée attaque. L'armée de Albert Ketterer. Donc, comme cette bataille risque d'être assez longue et que le film fait déjà 25 minutes, eh bien, on commencera le film 71 sur la bataille entre Ludwig Straube et Albert Ketterer pour l'attaque contre le Hanovre. À l'hiver 1741.